fonds, dans le secteur financier. Dans la pêche, complètement différent. Mais c'était mon passage, on va dire, avant que Tajdid ne soit là, parce que j'ai fait mon service civil de cette manière-là. Et puis dans le secteur privé, puisque je dirige aujourd'hui le groupe de Lidl. Le secteur de textile, il faut maintenant abandonner l'image d'un secteur qui est toujours négative. Parce qu'il y a pas mal d'investissements qui ont été faits. Et le secteur, actuellement, le secteur à l'export par exemple, il a atteint le gap des 38 milliards de dirhams. C'est un record. Donc c'est un secteur qui s'est basé sur un plan qui est magnifique, le plan d'accélération industrielle, qui est en train de donner un nouveau élan à l'industrie textile marocaine. Mais ceci dit, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le marché local, c'est un marché qui souffre toujours. C'est un marché qui souffre de pas mal de problèmes, problèmes de l'informel, problèmes de la contrebande. Il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place, mais il y a beaucoup encore à faire. Alors, les objectifs clairs de notre mandat, alors, nous prévoyons pour le marché de l'export le passage de la sous-traitance vers la co-traitance et le produit fini. Ceci dit, ceci ne peut se faire qu'en se basant sur une politique de formation assez solide et sur une stratégie commerciale très claire, parce que le Maroc, il a des atouts. Le Maroc, il a une grande place dans le fast fashion, parce que la problématique des grandes marques actuellement, c'est le stock. Ce n'est pas de fabriquer, mais vendre. Alors pour pouvoir vendre, il faut que les marques attendent la dernière seconde pour pouvoir décider sur quelle collection ils vont s'appuyer. Et là, c'est là où le rôle de Maroc entre en jeu, parce que vu la proximité et vu le savoir-faire et vu la flexibilité du savoir-faire marocain, nous avons notre part de gâteau là-dessus.